Voilà, si vous en avez marre de ça. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, quand vous prenez un leurre, si vous en avez marre de prendre une grappe, j'ai peut-être une solution pour vous. Bonjour, un petit bricolage dans cette période de confinement. Donc tout le monde a ça pour stocker ses leurres dans son bateau. Je vais vous expliquer comment moi je stocke mes leurres quand je pêche. Et pour éviter les encombrements de plein de leurres et tout ça. Donc voilà, le bricolage est fini. Voilà, j'en ai une petite à leurre souple. Alors, vous voyez, souvent je mets les petits leurres au-dessus et en dessous je mets mes gros shads et tout ça. Celle-ci, donc en dessous, souvent je mets fil à graffe et ciseaux. Et puis voilà, mes leurres dures rangées. Ça permet de. Si ça brasse un peu, voilà, on lève qu'un leurre. Hein. On n'enlève pas deux. Enfin, souvent, des fois ça arrive un par deux, mais au moins c'est pas une grappe. Un avantage aussi, c'est que quand vous avez fini votre partie de pêche, un coup de jet d'eau sur vos leurres, ça vous les rince, ça vous les nettoie, au moins il n'y a pas de sel à aller dedans, vous faites 2-3 petits trous en dessous, ça évacue l'eau. Vous laissez ça sécher une journée, vous rangez ça le lendemain dans votre boîte, c'est nickel. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Bon courage pour cette fin de confinement et une bonne saison à tous.